Marie-Ève est au bout du fil. Bonjour Marie-Ève. Allô? Salut. Ben salut le monde de Collectif Sort. Oui, il t'écoute. Qu'est-ce que c'est ta question? Oui, j'aimerais ça savoir dans vos, comment vous avez rencontré, puis comment que les débuts sont partis là. She wants to know about the very beginning of Collective Soul, how you met and how it started. We all grew up in the same town, Stockbridge. Stockbridge, right? We all went to the same school. I'm the older one in the group, though. All these guys kind of hung out together, yeah. And we all kind of joined forces. Shane and I started in 1989. Oh yeah. I think right when he got out of high school. And then we kind of picked Ross up. And we picked Dean, and then we picked Will up, and we all grew up within a mile of each other. It just took us like 8 years to do all this. Alors le groupe se connaît depuis très longtemps. Ils sont allés à la même école, ils ont grandi dans le même quartier. Et puis Ed et Shane, le batteur, ont commencé à faire la musique ensemble en 89. Et puis après ça, ils ont recruté Ross. Après ça, Dean. Après ça, Will. Et puis voilà. Et finalement, ça nous a pris 8 ans à se rendre où on est aujourd'hui. On a une question du fax, oui. La question c'est, I noticed that on the Collective Soul album, there is the name of Moist on the list of thank yous. What's your relation with them? We toured with them. It was at the end of Hints, correct? Okay. Yeah. 94? Yeah. We went on a tour with them. And why did month. You feel like thanking them? Cause they're a great band. Yeah. Yeah, we really dig them. And they're you had cool. a good time with them. Yeah, real good time. All right. Alors, la question c'était comment ça se fait que dans l'album de Collective Soul il y a des remerciements. You want to go and get ready for yeah. the next song? All right. Alors, on demandait à Ed comment ça se fait que dans l'album de Collective Soul, il y avait des remerciements pour le groupe Moist. Il disait, ben, tout simplement parce qu'on a fait une tournée avec eux pour l'album Hints, Allegations and Things Left Unsaid en 1994. Ils ont eu beaucoup de plaisir avec Moist et puis c'est ça, ils avaient envie de les remercier. Voulez-vous entendre December? Alors, on écoute December de Collective Soul à l'émission En ligne. Watching the walls for my heroes continue to send you just take my son to what you don't need. You can't run for the rookie. Don't think about what's
Please come back. Hope you're not tired of doing this back and forth. Because the show is not over yet. Sorry. So there's someone here that has a question for you. Can you recall something really funny that happened live, something really strange or funny during one of your shows? Actually, we started the show once without Shane. I use that one. That's a good one. We forgot about Shane. Where was Shane? He was around the corner and eating pizza. Eating pizza. We just thought everybody was there and we Shame got up. Shame on you, Shane. So we asked for him in the audience. We thought he was hanging out in the audience. So we had to walk off stage. And we found him a couple minutes later and then actually started the show with Shane. On a demandé à Ed s'il pouvait se souvenir d'une anecdote, de quelque chose de très farfelu qui s'était passé en spectacle. Il dit, bon, on a déjà commencé un de nos spectacles sans Shane, notre batteur. J'ai dit, ben, il était où? Il dit, ben, il était au coin de la rue, là. Il mangeait de la pizza. Puis ils ont dû comme monter sur scène sans lui. Puis ils étaient convaincus qu'il était peut-être dans le public. Ils cherchaient. Finalement, ils l'ont retrouvé. Bonjour. Allô. Hello. Moi, je voulais savoir où prenez-vous l'inspiration pour composer vos chansons, puis est-ce que vous êtes toujours d'accord quand tu composes? I think you write most of the material, but do most of the musicians in the band agree with the direction? Oh yeah, it's definitely a band effort. I'll come in with an idea mostly, and then we'll arrange it. It takes 5-10 minutes to arrange the song. I mean, it's pretty quick. And if it doesn't happen 10 minutes, if it doesn't happen that quick, we kind of move on. Oh, really? It means it's not good. It doesn't mean it's not good. It just doesn't feel right and can't get it. So yeah, it's definitely a band effort. Wow. Alors, elle lui demandait si ils étaient tous d'accord, s'ils s'entendaient facilement sur la direction que prenaient les chansons. Disait, oui, c'est vraiment un travail de groupe. Et puis nous, ça nous prend 5 à 10 minutes pour faire les arrangements d'une chanson. On se dit, si au bout de 5-10 minutes, ça marche pas, c'est que la magie est pas là. Et puis on abandonne la chanson. Mais c'est vraiment un travail de groupe. On s'arrête le temps d'une pause et on revient tout de suite après à l'émission en ligne avec Collective Soul. Pour rejoindre Collective Soul de Montréal, composez le 790+. De l'extérieur, 1-800-567-5656. Par télécopieur, 514-284-1889 ou par Internet, lemusicplus.com. On essaie de fournir, mais le Québec peut pas se passer des albums Big Shiny Tunes de Musique Plus. Non! Y'a pas de substitut. On parle de 18 tonnes vraies. Achetez votre copie et vous verrez pourquoi Big Shiny Tunes de Musique Plus, c'est le CD à te procurer. Les Big Shiny Tunes de Musique Plus, ça en vend partout, je te le dis. À participer au concours en ligne avec les Backstreet Boys. Réalise une banderole « Bienvenue à Musique Plus, les Backstreet Boys » et envoie-la à l'adresse suivante. Attention, tu dois intégrer à ta banderole le logo du lait ou la petite vache. 25 banderoles seront choisies selon leur originalité et leur auteur recevront une paire de billets pour assister à l'émission en ligne avec les Backstreet Boys de vendredi 21 mars à 14h à Musique Plus. Je gagne jamais sans mon lait. Musique Plus présente Sheryl Crow en spectacle avec invité Deshwala. Au Théâtre Saint-Denis le jeudi 6 mars à 20h. Billets en vente au Théâtre Saint-Denis ou en téléphonant au 790-1111. L'album éponyme de Sheryl Crow, incluant les méga succès If It Makes You Happy, Every Day's a Winding Road et celui de Deshwala, Pet Your Friend, sont en vente chez tous les bons disquaires. Il y a plein de bonnes choses dans une barre Mars. Du caramel et du chocolat très très épais qui te donne l'eau à la bouche. Wow! Oh oui, Mars, au travail, au repos et dans les loisirs. Oh,
retour à l'émission en ligne avec Collective Soul. On prend un autre appel. Bonjour. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Stéphanie de Brossard. Stéphanie de Brossard. Exactement. Bon, ben bonsoir Stéphanie. C'est quoi ta question? OK, hi guys. I want to know, of all your songs, which one you like the most to play and why? What's your favorite song to play live and why? We like them all. You like them all? Live, yeah, when you're playing live, that's fun. Oh, yeah? Yeah, it never stops. And you're never tired of your older songs? We don't like listening to them, but we like performing them on stage because it has its own life every night. But we don't get through performing and go stick our CD in. You know, I don't really want to hear them that way. But no. Performing is great. But did you sometimes listen to your albums, like, months after it's been done? Yeah, there's sometimes. I'll listen to it once, maybe, but that'll be about it. Just tough? No, it's not tough at all. It's usually just to refresh my memory what we did. Yeah. Other than that, but really don't. We don't listen to it much after we're, you know, finished making. Yeah. We just enjoy playing it. Yeah. Alors, elle lui demandait quelle chanson il préférait jouer en spectacle. Puis il disait, on les aime toutes. Puis ils sont même pas tannés de leur anciennes chansons, et puis il disait finalement les chansons en spectacle prennent une autre vie, et puis c'est toujours agréable à jouer. Ce qui est plus difficile, c'est d'écouter l'album. Ils font rarement ça, écouter leurs albums, mais en spectacle, ils adorent leurs chansons. Un autre appel, qui est au bout du fil? Allô? Allô? Oh. Allô? Oui. Hey. Quelle est ta question? We just want to know, that's a question for all the guys, please, so can you all answer? Okay. I think I know what this is about. What are you doing when you're not playing music or do shows? Do you have hobbies or something? Dean? Dean, you're too shy? Will? Okay. Actually, I can't think of anything, but I do like whatever, gardening. I plant peppers and stuff. Gardening? Oh, yeah? 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 And you, Dean? Yeah? Yeah? And Shane? Yeah? Okay. Alors, la plupart des gars de Collective Soul adorent jouer au golf. Il y en a un qui aime le jardinage, mais je pense que c'est pas vrai. Et puis, le batteur, lui, dit qu'il adore ça, aller voir des autres groupes jouer en spectacle. You are going to play Precious Declaration. Yes, we are. Which is the first single of the album. Yeah. All right. So, I guess the new video is ready. Oh, you can go there. And you mean head that way? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Actually, it's ready, yeah. It's ready? Yeah, we saw it yesterday for the first time, so approved it yesterday. You approved it yesterday. Yeah. Okay. Alors, le premier extrait de l'album Declaration, Disciplined Breakdown, c'est la chanson... Je suis en train de tout me mélanger, là. Precious Declaration, c'est le premier extrait de l'album. Ils viennent de faire le vidéoclip et puis ils l'ont approuvé hier, donc on devrait le recevoir très bientôt, en fait, la semaine prochaine. Mais pour l'instant, ils vont nous la jouer live ici en studio. Precious Declaration, The Collective Soul. We'll be right back.
Ashes Declaration, le premier extrait du nouvel album The Collective Soul, Disciplined Breakdown. So Precious Declaration refers to this difficult period that you were talking about. It refers to the end of it. To the end of it. It's about freedom. Okay. Alors, vous souvenez au début de l'émission, on vous parlait de cette période très difficile que le groupe avait eue parce qu'ils sont séparés de leur gérant et tout ça. Et puis Precious Declaration fait référence justement au règlement et à la liberté quand tout ça s'est réglé. On va prendre une question du public. Bonjour, comment tu t'appelles? Moi, c'est Bruno. Salut Bruno, qu'est-ce que c'est ta question? Moi, ma question que j'aurais voulu leur poser, c'est est-ce qu'un groupe culte pour eux autres, puis est-ce qu'un groupe que c'est carrément à la guerre avec eux, les haïssent? Okay, he wants to know about if in your mind there's a cult band that you totally, totally admire, and also if there's a band that you really can't stand. Music. I think it's all necessary. As long as they're being, you know, honest within themselves, there's nothing wrong with any type of music. A band? A cult band? Yeah. Help me, guys. Who? Red Cross? They've been around, yeah. I don't know. Is that a cult band? What's the definition of a cult band? C'est quoi ta définition d'un band culte? En fait, toi, ils n'en trouvent pas précisément de groupes cultes qu'ils admirent vraiment complètement. Et puis, au niveau des groupes qu'ils n'aiment pas du tout, ils disent que toute la musique, c'est de la bonne musique. Et puis, ils sont très tolérants. Et puis, ils semblent apprécier un petit peu tout le monde. OK. Puis, j'aurais une dernière chose à ajouter. Ouais. Tu peux les assurer qu'ils valent le déplacement. Okay. J'ai fait 500 km d'autostop pour venir. Ah, oui? Ça m'a pris la journée. J'ai gelé dans le parc de la Haute-Mauricie. C'est arrivé d'où? Delvaux, Lac Saint-Jean. He says that you are worth the trip because he had to hitchhike 500 kilometers to come and see you here. Thank tonight. You. Thank you so much. That's everything in the road, in the cold, in the winds. Well, how are you getting back? Hitchhiking right? Again to go back? Tu vas faire du pouce pour retourner? Yes, and in the bus too. Oh, in the bus. And if I must do that one more time, next year, next month, you'll do whatever. It. C'est ton groupe préféré. I think I'm gonna do that okay. One more time. Merci, <Thanks. Martin. laughs> That's cool. Thank you. Big fan. So, what are your touring plans? Do you want to go on your own soon, or open for someone, or have someone opening for you? What do you want to do? We're gonna go on our own. We're actually gonna start the tour over in. The middle of next month, we're starting in New Zealand, going to Australia, to Japan. Okay. And then during that process, the manager and the agents are going to figure out our schedule for Montreal and Canada. So it looks like it's going to be the summer. We just don't know what day, so we're going to come back in the summer. Great. Donc, Collective Soul devrait être par chez nous cet été, en spectacle. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you all. Thanks, guys. You're going to play Forgiveness for us. Thanks very much.
plan d'économie maxi. Maintenant, ça coûte seulement 15 cents la minute pour appeler partout au Québec et au Canada, n'importe où.